Ces 10 ans de mécénat artistique, c'est au départ une extraordinaire opportunité. C'est une dizaine d'événements que nous avons menés. La production a été principalement des CD autour du piano avec Irakli Aveyanehi. Irakli que j'ai pu rencontrer grâce à Isabelle, mon épouse, qui le connaissait dans ses activités professionnelles. J'entends parler d'Irakli avant qu'il ne vienne s'installer à Paris comme étant un pianiste de grand talent. Lorsqu'il arrive en 89, c'est l'enthousiasme parce que nous découvrons non seulement un pianiste très très doué, mais un personnage attachant. Notre rencontre avec Isabelle Balas, ça remonte ici et en même temps. C'est quasiment après mon arrivée en France. C'était 89. Et donc Isabelle, elle avait en charge l'association de Marie-Jaël. Et comme ma vie était liée avec Marie-Jaël, notre rencontre était inévitable, je pense. Le soutien d'Isabelle m'a permis d'être libre dans mes choix. Et dans les choix artistiques et disons que le choix technique aussi. Choisir l'équipe, choisir le piano, le lieu d'enregistrement, c'était vraiment un luxe, mais inouï. Ça y est, tu as trouvé son caractère. Nous avons notre petit rituel déjà, qui est bien rodé, ça marche très bien. Le premier jour, c'est la mise en place des micros, on essaie des différentes configurations, justement pour avoir les sons qu'il nous faut, en fonction du répertoire, en fonction du caractère de la musique qu'on enregistre, en fonction du piano aussi. Et ensuite, on commence à enregistrer. Pas forcément en chronologie de l'œuvre comme il est écrit. Début des années 2000, lors d'une soirée qui suivait un séminaire de direction des collaborateurs du groupe Balas, j'avais invité Irakli Aveyanehi à venir jouer. Et c'est un moment exceptionnel, puisque c'était une première rencontre entre Irakli et des collaborateurs du groupe Balas. Un deuxième souvenir, je ne m'imaginais pas qu'un enregistrement pour créer un CD était aussi compliqué, aussi technique. Donc c'est également un très bon souvenir. Ça me va, c'est parfait. On a tout ce qu'il faut. Est-ce que tu es un peu rapide ?
reprise. Mmh. Donc ça fait A. Ensuite. Il y a la reprise, oui. Oui, avec la reprise. Ensuite, B. Ensuite. I. 1, 4. C'est ça le problème, c'est d'arriver à trouver l'esprit dans chaque section. Ouais. Et bien, très souvent, Iraklis essaye d'aller au maximum au bout du mouvement et il va interpréter 5 fois, 6 fois, un mouvement entier parce qu'il cherche une âme, il cherche l'émotion. Ce qu'Isabelle m'influence dans mon travail, mais pas du tout, pas du tout. De toute façon, je ne suis pas très influençable. Il n'intervient jamais, jamais dans le côté artistique. Et ce qui est très appréciable, c'est qu'elle est toujours présente, mais sans intervenir. Ça, je pense que c'est un don. C'est justement, c'est ça qui fait des grands mécènes. Quand on regarde l'histoire des arts, c'est justement le grand mécène qui soutient les artistes tout en leur permettant de travailler en liberté. Oui. Allez, la dernière. Ça tourne, prise 23. Oui, désolé, ça zingue. Quand tu fais mourir la note... C'est tout fort, mais là, ah non, attends, je discute avec Pierre. C'est moi l'étouffoir. Oui. Qui... En fait, c'est l'histoire d'étouffoir. Voilà, c'est là. C'est mi qui s'est embourré. La sonorité du piano, est-ce qu'elle a bougé? C'est pas exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a un léger voile qui s'est installé dans les harmonies, en fait. À la fin, on l'entend, hein, il y a un léger voile qui s'installe sur la coda. Mais c'est pas gênant parce qu'on est à la fin de l'œuvre et à la limite, ça participe un peu à l'esprit de mystère et d'apaisement. Tant que la justesse n'est pas atteinte, on laisse parce qu'on est dans la continuité. C'est absolument nécessaire. Moi, je crois qu'il faut avancer, Iraklis, il est 6h30. Là, ça fait une minute et demie, une entière. Oui. Et après, on attaque Internark. Mmh. Bah, c'est l'heure, hein. Oui. Il faut se donner des objectifs. Et dire, voilà, on fait ça la matinée et ça l'après-midi. Internark, c'est une heure. Le promenade, mmh, c'est 2-3 prises et c'est tout. Je pense que... 3 heures, ça suffit. Donc ça passe. Donc finalement, ça passe. Il ne faut pas qu'on se foute la pression. Là, c'est ce qui se passe aussi. Moi, je ne sens plus le pied. Non, oui. C'est pas le même son. Je suis déstabilisé. J'essaie de compenser. Parce que tu es épuisé, tu as vu ce que tu as fait aujourd'hui. Mmh. C'est énorme. Bon. Le premier jour, la première journée, c'est toujours très difficile. Il faut que ça commande au piano. Je pense que le piano est bien, hein, grâce à Pierre. On peut faire confiance à ce piano, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Si on sait le faire. Déjà.
Il offre toujours des résonances très pleines, des sons ronds. C'est ce que j'appelle un jeu profond, où il y a une vibration qui est très subtile, en fait. Je crois qu'il faut beaucoup de talent pour arriver à cette musicalité. Bien. Tu voulais pas enchaîner plutôt les parties intermédiaires? Parce que là, au niveau de la continuité... Je fais toutes les séquences. Ok. À 3, 4. D'accord, très bien. Recherche dans l'enregistrement de CD. C'était la recherche d'un son, jusqu'où on peut aller pour avoir le son naturel, sans trop de mixage, sans changer trop après avoir après le montage. Et en même temps que ce son il soit très expressif. Pour définir les nombres de prises, c'est indéfinissable. Nous pouvons avoir un petit morceau qui dure 30 secondes et faire passer une demi-journée dessus, et en même temps avoir une œuvre qui dure 10 minutes, faire juste 2-3 prises, et c'est tout. La difficulté, c'est de faire de la musique en morcelant l'œuvre. Donc en fait, il faut avoir une haute conscience de l'architecture globale de la pièce pour savoir exactement comment se raccorder dans l'esprit. C'est pas seulement une question de tempi ou de couleur, c'est aussi de garder le fil conducteur des prises les unes par rapport aux autres pour faire en sorte qu'on soit sûr à l'arrivée d'avoir un tout, et un tout qui soit cohérent musicalement. Pendant le montage, c'est pas forcément la plus belle prise qu'on va utiliser. Oui, c'est dommage, mais deux fois, je n'utilise pas des très très belles prises. Mais enfin, c'est comme ça. Ce qui est très important, qu'on écoute les morceaux du début à la fin, sur un seul souffle. Que ça fasse vraiment la ligne continue. Il travaille, Irakli. C'est pas un fumiste, il est perfectionniste, mais avec toujours un travail très très abouti. Il se contente pas d'être véloce. Il n'est pas pianiste pour impressionner la galerie, pour réussir des prouesses techniques, être dans les esbroufes. Pour moi, c'est quand même une vraie voie de perfectionnement, faire de la musique. Comme on fait du yoga, comme on fait tai chi. J'essaie de créer le même état pendant le concert. Pas pour mon plaisir personnel, parce que ça peut être aussi un plaisir, jouer au concert, mais aller au-delà. Oublier mes émotions, retrouver tout ce qui est à l'œuvre et porter aux autres. Partager, c'est un moment de partage. Après une année de réflexion et de création et de production, de déballer le CD qui sort tout chaud de la presse et de pouvoir l'écouter une première fois, ça fait partie des bons souvenirs. Après, ce sera le début, puis après, ce sera... Oui, c'est ce qui reste après. L'essentiel, c'est le début et la fin. Mais en fait, oui, c'est la fin. Le début, c'est la fin. Après, les gens, on n'écoute pas, ils s'en foutent. Mais... Voilà. Ils les critiques écoutent le début. Et le critique, il n'y a plus de critiques. Il n'y a plus de critiques. Hein.